crois c'est le mec au fond. Eh, je me souviens, il était grave charismatique. Bah, on va voir s'il est charismatique. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Vous vous rappelez de nous? Des petits jeunes, j'en vois plein. Ouais, vous voulez passer sur notre interview? Hein? Interview. Allez. Monsieur, la dernière fois vous nous avez tellement fait rire. Ouais, mais l'interview c'est pas trop, non, ça marche pas. Bah, vous voulez dans la vidéo? Ah, ok, monsieur. Hein. J'allais vous proposer une bonne somme hein, pour le stand en plus. Bah, je vous filme ou pas? C'est toi ou c'est moi là? C'est toi là? Ça, c'est la cam. Non, mais je devrais regarder ce que tu filmes là, c'est toi. Ouais. Non, j'ai pas envie. Allez, tu vas être célèbre, ensuite tu te vendras bien plus. Mais tu t'appelles comment? Parce qu'on va venir te voir. Maintenant, on habite dans le coin. Hein? On habite sous le pont neuf là. Pour les livres là? Non, je fais rien moi. Regardez-moi ce clochard là. Non, non, je traverse tout, mais ça m'intéresse pas. Bon, bonne journée, monsieur. Bon, bah, ok, hein. Oh, merci, chef. Casse les couilles. Excusez-moi, monsieur. Vous voulez passer dans notre interview? Non, merci. S'il vous plaît, monsieur. Ça fait longtemps, cher. Non, on leur croit après. Vas-y, vas-y. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, vous écoutez quoi? Il a bizarre. Fugué, genre. Après, peut-être qu'ils sont très tristes, tu vois. Du coup, ils ont pas envie de parler. Est-ce que je te comprends? Mais bon, à ce coin-là, toi. High five. Ouais, my guy. Ah, t'as vu les gens de l'autre côté, là? Ah, c'est des racailles. Tu crois? Elle est racaille. Mec, je te donne 100 000 euros cash, plus une Bentley, plus une cheport. Si tu sautes dans la scène. Saute pas. Tu me demandes ça, tu... Vas-y, je suis chaud. Ok, on va interviewer des gens, parce que là, ras-le-bol. Bonjour, mesdames et messieurs, vous voulez passer dans notre interview? C'est pour l'école. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Mesdames et messieurs, vous voulez passer sur notre interview? Non, c'est bien. Dites-nous, c'est à propos de quoi? C'est à propos des positions sexuelles préférées. Il faut en mettre combien? Autant que vous voulez. Eh, hey, monsieur, vous êtes trop drôle, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. J'imagine c'était sa fille, genre. En fait, le truc, c'est que je suis un gros porc. Ah, t'es un gros porc, toi. T'as dit c'était sa fille. Non, je suis un gros porc. Il est dégueulasse. En fait, je pense que le fait que je... Excusez-moi, monsieur, vous voulez aller sur notre interview, s'il vous plaît? On cherche des gens, s'il vous plaît. Ah ouais. Je vais ranger mes chips parce que ça fait vraiment gros temps. Ah, regarde, ils sont en train de baiser, en plus. Excusez-moi, mesdames et messieurs, vous voulez aller sur notre interview, s'il vous plaît? Notre interview de quoi? En fait... Vas-y, dis-leur, Hippolyte. Quoi? Si. C'est pas sérieux. Ouais. Non, non, mais c'est un peu humour, quoi. On n'est pas assez sûr de nous, mec. Tais-toi. C'est... Il est pas vendeur. Ouais, c'est mais, sur. Mais c'est. Tout. Moi j'allais peut-être dire oui, mais non. C'était sur l'amour parisien. Oula. Ça veut rien dire. Vous êtes en couple? Non. Vous êtes frère et sœur? Oui. Ouais, c'est ça. Mytho. Si. Juré? Ouais. Vous ressemblez pas trop, hein. Bah, vous voulez être sur notre interview? C'est sur les frères et sœurs. Non. Mec, il faut qu'on soit accrocheurs, en fait. Merci, bonne journée. Allez, on aurait dû leur demander un conseil, tu vois. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on arrive, on n'est pas sûr de nous. Enlève ta capuche déjà, c'est pas. Ouais, c'est, tu vois, c'est pas genre. Mais toi, t'es pas vendeur, frère. Je sais, gros, je sais, j'avoue, j'ai fait de la merde. Je suis pas prêt, Aurèle. En fait, je m'attendais à ça. Tiens-moi par le cul. Connard, va. Tu sais quoi, je vais poser la caméra. Non, mais les gens, ils sont adorables. J'ai foi non, en j'avoue. J'ai foi en l'humanité. Excusez-moi, monsieur, vous l'êtes sur notre interview? Ça dépend, c'est quoi? C'est sur les positions sexuelles préférées. Allez, monsieur, vous pouvez garder votre masque si vous voulez. Non, bah, non, non. Ah. J'ai rien de très original. Ah. Nous aussi, on est vierges, malgré. Bonjour, monsieur. Vous voulez être sur notre interview, s'il vous plaît? Là, franchement, j'ai encore des dossiers terminés. Excusez-moi, mesdames, vous voulez être sur notre interview? Bon, merci. Ok. Je crois qu'on n'est pas très chaud. C'est en grande partie de ma faute. Mais je sais pas quoi faire, en fait. Bah, tu vends comme moi? Ah, t'as vu, les gens, ils ont déserté le pont quand même. Non, ils ont peur de... C'est notre pont! Tout le monde bouge! Gros, j'ai... Non, regarde, c'est un sujet classique. Et après, on va en cours, moi, demain. T'es chaud ou pas? Regarde, regarde ça. T'es chaud ou pas? Monsieur, c'est un interview! Non, mais viens, on fait un sujet. Excusez-moi, normal, madame, vous l'êtes sur notre interview? Vous êtes notre interview? Une interview? Ouais. L'école? Franchement, j'ai pas trop de temps là. Ok, bah. Merci, bonne journée. T'as acheté, frère, j'aurais dit un truc comme ça, je mettrais une carte ma vidéo. Excusez-moi, monsieur. Vous l'êtes sur notre interview, s'il vous plaît? Quoi? Notre interview, vous voulez pas cette dessus? Non. Eh, tu sais, ce pantalon, une fois, je voulais l'acheter.
mais maintenant je me rends compte que j'aurais dû l'acheter parce que c'est stylé. Tu peux l'acheter encore, hein? Ouais, mais il est cher. Ouais, il a ça. Confortable? Ouais, c'est bon. Ok, merci, bonne. Et toi, t'es là pour gêner le plan, toi? Tu sers à quoi, en fait? Bah, je sers vraiment à rien. Comment ça, on est pas sûr de nous? Arrête de dire ça, tu sers à rien. Mais en gros, t'as rien, on nous a pas être vraiment donné poche. On va l'air professionnel, enlève la capuche. Oui? Toi. Voilà, là, tu demandes aux gens. Ok. Excusez-moi, mesdames et messieurs, vous êtes sur notre interview? Non, pas trop. Un interview quoi? Sur l'école. Sur l'école? Ah, c'est... Moi, j'ai quitté l'école. Mais vous avez des enfants, peut-être? Tu es à l'école? Non, malheureusement. Des frères et sœurs? Ouais, mais... Oh, ouais. Mais vous pouvez quand même nous parler de votre expérience, ça peut nous intéresser. Comment ça servir? Donc, vous avez dans votre vie? Vous avez servi dans votre vie? Excusez-moi, monsieur, vous êtes sur notre interview? Ah, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée. Fuck! Attends, mais pourquoi tu fais ça, mais pourquoi j'arrive pas à comprendre? Mais tu casses les couilles à dire l'école, on s'en bat les couilles de l'école, frère. Oui, vous en pensez quoi de l'école? Bah sur Arte, ma gueule. Vas-y, viens, change de compte, j'aime pas ce qu'on pense. Eh hey, mec, là, Hippolyte, là, t'es casse-couille, genre. Non, moi, je vais le frapper, je vais le jeter du coup. Excusez-moi, madame, vous voulez faire partie de notre interview? Mec, y'a un problème. Y'a un problème pour qu'on voit notre méthode. Pourquoi personne n'accepte? Samy il a dit tout, il va pas. Lui, Samy il dit tout, il a des interviews, lui. Excusez-moi, messieurs, vous voulez faire partie de notre interview? Oh, merci, messieurs. Je vais vous interviewer sur les positions sexuelles préférées. Ah. Bon, bah, on y va. Vas-y. Allez, monsieur. Eh, vous savez que je vous aime on fort. On est gay, hein. Ah, bah, parfait, encore mieux. Parce que c'est encore mieux quand on est gay, bah, les positions sexuelles. Bah ouais, carrément. Ne riez pas, vous, hein. Va en place, va en place. C'est homophobie, hein. Non, va en place, va en place. Bonjour, aujourd'hui, on se retrouve avec... Daniel. Suarez. Suarez. Vos positions sexuelles préférées, c'est quoi? Quand on est fatigué, légionnaire. Un bon légionnaire, ouais, toujours bien. Ok, après, vous avez la levrette, mais chez les gays, je sais pas si ça se dit. J'ai la brouette japonaise. Comment ça se fait ça, la brouette japonaise? Des piquants quand vous serez grand. Pour une ou pas démonstration? Pas du tout. Et vous, monsieur Suarez? Moi, c'est plutôt sur le dos ou sur le. Quatre pattes. Ouais. Vous êtes plutôt fainéant? Ah, je suis très fainéant. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 17 ans demain. Waouh! Félicitations, messieurs. Merci. J'ai foi en l'humanité grâce à vous. En l'humanité? Et vous avez des mots à rajouter sur le sexe pour les jeunes enfants? Enfin, les allez, on va, c'est pas, bon, frère. On va pas faire dans les qu'est-ce enfants. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez des mots à rajouter pour le sexe? Comment bien le pratiquer? Eh bien, préservatif, c'est... on en a rien à foutre ou pas? Ah non, toujours. Toujours? Toujours, sauf quand on est en couple, évidemment. Ouais, on se fait confiance. Vaut mieux se protéger. Ouais. Actuellement, vaut mieux se protéger. Mieux se protéger, oui. Et surtout pour les jeunes, oui. Faut pas l'oublier. Mais non, du con. Préservatif n'a rien à voir avec le corona. Mais le virus, il se transmet par la bite. Bah, non, pas du tout. Ok, c'est bien. C'est pas parce que tu craches pas la bite et tu craches pas le nez. C'est deux trucs différents, mais les liquides sont quand même. Les deux sont pas si quand même couleur, mais bon. Mais sérieux, c'est bon le sperme? T'as goûté, t'as pas goûté le tien? Non, jamais. Ah bah il faut essayer. Sur ce, moi je l'ai jamais fait. Ouais. Mais c'est hallucinant le nombre de gens qui l'ont fait, à juste raison. Comme ça au moins t'auras le goût du sperme. Bah tu sais quoi, je rentre chez moi, je vais prendre une voilà. Bonne, et puis bonne pour gorgée. Pour une petite histoire, si tu veux savoir le bruit du le cri du sperme, comment ça, le tu vas au lieu de la vallée, tu le croques. Ah ah ah, monsieur. Non, Daniel. Bah merci pour votre temps, monsieur. Allez, bonne journée. Ça m'a été excellent, merci Daniel. On peut utiliser ça? Merci vous. Pourquoi tu veux me checker? Sans préservatif. Bonne soirée. Merci, merci, ça arrive. Enlève-vous! Enlève ça, je saute du pont! C'était incroyable, mec. Ça m'a achevé, gros. C'était trop bien, mec. Oh, mec, c'était trop bien. Ça m'a achevé, il était tellement sans filtre, c'était trop drôle. Ouais, mais c'est ça. Ah, mec, c'est tellement un bon, là. Tu le croques. Ah, c'est la zeg. Tu le croques. C'était trop bien, mec. On bat les couilles, on a trouvé Daniel et Suarez. À vous, très innovant. Je pense qu'on reverra pas ça avant longtemps. Mec, je suis tellement content. On a vécu un truc pas mal là. Et là? Hein? Break pas. Putain, mec, c'était tellement des bons. Ouais. Ils sont tellement plus ouverts, les gays. En vrai, ils sont plus cash, tu vois. Ouais. Ouais, ils ont pas le temps de niaiser. Mec, ah, ouais, des chips comme ça, gros. Une fou chème. Mec, tu te plains pour une chips? Bah oui, c'est important, une chips.